Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier tutoriel sur la création de jeux avec le moteur Solarus. Solarus qu'est-ce que c'est C'est un moteur de jeu en 2D que je développe depuis pas mal de temps et qui nous a servi à sortir les jeux que vous connaissez peut-être, Zelda Mystery of Solarus, DX ou XD, bientôt d'autres projets aussi. Euh, mais la nouveauté c'est que depuis la sortie de, de Solarus 1.0, donc c'est-à-dire le moteur seul, vous pouvez vous aussi faire euh, vos, propres, vos propres jeux. Alors c'est pas encore, euh, c'est qu'une première version, c'est la version 1.0, donc euh, c'est pas encore euh, ultra ultra facile d'utilisation, mais ça commence à être faisable et euh, c'est la raison pour laquelle je vais commencer cette série de tutoriels. Euh, alors ici je suis sur le site de Zelda Solarus, donc qui lui est vraiment consacré à Zelda, officiel ou, ou à nos créations. Mais je vais plutôt aller sur le, le blog de développement qui est solarusgames.org, juste ici, euh, qui lui est en anglais, mais euh, lui il, il se consacre vraiment au, à l'utilisation du moteur. Donc si vous voulez faire un jeu, c'est ici qu'il faut venir. Donc vous allez dans Download et on va tout de suite télécharger Solarus 1.0. Donc là je suis sous Windows pour ce tuto. Je télécharge Solarus. Je vais le mettre euh, ici. Hop. Ça y est, c'est téléchargé. Euh, que dire d'autre sur ce site Vous aurez besoin euh, d'aller voir, mais on, on, fera, on fera ça un petit peu plus tard. La, la documentation, c'est juste ici. Euh, pour utiliser Solarus, il y a, a l'éditeur de map sur le, lequel... Euh, vous dessinerez vos, vos propres niveaux, euh, donc ça c'est la partie facile. Et il y a la partie programmation où vraiment vous, vous, vous programmez le, le comportement de votre jeu, c'est-à-dire par exemple euh, dire que quand tous les ennemis d'une salle sont tués, euh, je veux que ça ouvre telle porte, ou alors euh, quand on donne tel objet à un personnage, euh, il se passe tel événement, et ainsi de suite avec les, les, vous faire des cinématiques, des menus, euh, tout ce qu'on veut. Et cette partie programmation, elle se fait avec un langage de un vrai langage de programmation, oui, qui s'appelle le Lua. Mais on verra ça un peu plus tard. Dans cet épisode, on va juste parler de de créer un nouveau projet, créer un nouveau jeu. Alors voilà, là j'ai téléchargé Solarus 1.0.4. Tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode, au moins, ça va marcher sur Solarus 1.0. Ce que vous voulez, le troisième chiffre. C'est uniquement des, des mises à jour de correction de bugs. Donc quand le troisième chiffre change, ça reste compatible. Euh, alors, je vais extraire mon fichier zip. Bienvenue dans l'assistant extraction de fichiers compressés. Non, je ne veux pas afficher. Voilà. Alors, je supprime le fichier zip. Je vais faire un petit peu de tri. Donc là, j'ai plusieurs choses. J'ai Solaris Quest Editor. Donc, je vais le remettre juste là. J'ai Solarus qui lui est le moteur de jeu. Alors je vais prendre tout ça et je vais mettre dans mon répertoire tuto. Voilà. Donc tout ça c'est vide, il y a deux fichiers texte, on s'en fout. Voilà. Euh non. Quest editor, je garde, c'est l'éditeur de quête. On en a besoin. Donc dans les termes de Solarus, quand je vais parler d'une quête ou d'un projet, c'est exactement la même chose. C'est votre jeu en fait. Mais ça s'appelle plutôt une quête dans le. Dans le langage euh, Solarus. Alors, euh, donc pour l'instant, on a on a le moteur de jeu, c'est ça, ce que j'appelle le moteur de jeu, c'est ce Solarus.exe euh, et puis toutes les DLL qui vont avec. Bon, il y a besoin de tout ça pour fonctionner. Donc si vous le lancez, euh, ça va pas du tout bien se passer. Il nous met un message très bizarre. Et quand il y a une erreur qui se produit sous Windows, euh, d'ailleurs sous les autres systèmes aussi il faut aller voir le fichier error.txt qui apparaît et ce fichier error.txt il vous dit la vraie erreur no quest was found in the directory euh, point. le point ça veut dire le répertoire euh, courant euh, donc en gros ça veut dire qu'il n'y a pas de données il n'y a pas de quêtes quoi il n'y a pas de jeu mais heureusement il existe Solaris Quest Editor euh, qui est l'éditeur de bah l'éditeur de quête l'éditeur de jeu qui va avec alors c'est un fichier .jar parce que c'est du Java, et donc il vous faut Java version 7 pour, le, pour que ça marche. Oups. Normalement, si on double-clique, ça doit se lancer. Voilà, quand vous lancez l'éditeur de, de quête, il vous demande sélectionner le, le répertoire où se trouve votre projet. Ben, pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais annuler. Et on va créer un nouveau projet, une nouvelle quête. Donc quest, new quest. Alors certaines choses sont prises en charge par l'éditeur. Et certaines choses ne sont pas prises en charge par l'éditeur parce que c'est qu'une version 1.0. Donc il y aura des choses à faire à la main. Euh... En tout cas, en tout cas pour la version 1.0. Mais avec les futures versions, bien sûr, ça ira en s'améliorant. Alors, je vais reprendre mon répertoire tuto Solarus et on va créer les données dedans. Donc voilà, nouveau projet. Hop, la quête a été créée avec succès. Bravo. Euh... Prochaine étape, éditer les fichiers importants. Parce que comme je vous disais, l'éditeur pour l'instant il ne sait pas encore tout gérer. Euh, mais alors, voilà comment ça se présente. En tout cas, vous avez vos, votre arbre de, de quête en fait, qui présente toutes les ressources de votre jeu. Pour l'instant, toutes les ressources sont vides. Il n'y a pas de map, il n'y a pas de tileset. Les tileset, c'est les skins des maps en fait. Il euh, n'y a pas de musique, et ainsi de suite. Mais au moins, on a créé euh, un projet vide. Ce qui est déjà une première étape. Si vous regardez ici, on l'a créé dans tuto Solarus. Il y a un répertoire qui s'appelle data, qui a été créé automatiquement par l'éditeur quand on a fait new quest. Et donc, euh, toutes les données de votre quête, alors, aussi bien les images que les maps que le, les scripts Lua, tout va là-dedans, dans ce data. Alors, ça peut être soit un répertoire data, soit un fichier zip qui s'appelle data.solarus et qui contient les mêmes choses. Donc euh, quand vous distribuez votre jeu, par exemple en téléchargement, c'est plus simple d'avoir un seul fichier, euh, donc le fichier zip. Mais, mais bien sûr, pendant le développement du jeu, euh, c'est beaucoup plus pratique pour vous développeurs de jeu d'avoir de, de, un répertoire directement et de ne pas refabriquer un fichier zip à chaque fois que vous voulez retester. Donc euh, on a quelques fichiers, pas énormément hein, prédéfinis, qui ont été créés par l'éditeur de quête. Il n'en a pas encore créé beaucoup, mais dans une prochaine version ça sera un peu plus étoffé. Euh... Donc on va déjà lancer le jeu juste sans avoir rien modifié pour voir ce qui se passe. Oh. Allez, hop. exécuter. Et voilà, félicitations. Je vous applaudis. Vous avez réussi à créer un jeu qui fonctionne sur Solarus. Donc pour l'instant c'est juste un écran noir qui a une taille de 640 par 480. Plus exactement c'est c'est 320 par 240, mais euh, étiré, avec un facteur 2, euh, ce dont on se fiche, puisque de toute façon, c'est un écran noir. Euh, mais ça serait important pour la suite. Et euh, tout ce que ça vous raconte, c'est que euh, dans la barre de titre il y a « A game made with Solarus ».« Edit quest.dat to change this title ». Alors, on va éditer « quest.dat » comme il nous dit. C'est bien sûr vous qui êtes développeur, qui allez faire de... La programmation en Lua. Et vous parlez bien sûr anglais. Alors, je vous conseille euh, Notepad++ pour éditer aussi bien ces petits fichiers de données là que les vrais scripts Lua euh, que vous avec lesquels vous aurez à travailler par la suite. Euh, Notepad++ c'est vraiment très bien sous Windows. Donc euh, Quest.dat c'est un, un petit fichier de données qui donne des informations en générales sur euh, votre jeu. Euh, ici c'est la version de Solarus avec laquelle euh, votre jeu est compatible. Donc nous, évidemment, c'est 1.0. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de, de troisième chiffre parce que ça marche avec 1.0 point n'importe quoi, ça reste compatible. Et euh, le jour où Solarus 1.1 sortira, l'éditeur de quête de, de vous fera automatiquement la mise à jour. Euh, ensuite, ici, vrai dire, on s'en fiche pour l'instant. C'est quelque chose qui est commenté, les commentaires dans ce fichier-là, dans tous les fichiers d'ailleurs de données, ou presque. Euh, C'est tirer-tirer. Ça commence par tirer-tirer, c'est-à-dire qu'on peut donner des explications. Et euh, voilà, ici on retrouve le, la barre de titre de la fenêtre. Euh, C'est le texte qu'on qu vient de lire tout à l'heure quand on avait lancé la fenêtre avec l'écran noir. Alors on va tout de suite changer ça. On va appeler ça... Euh Oups. Excusez-moi. Mon super projet. Point d'exclamation. J'enregistre et je relance le jeu. Et voilà, on a dans la fenêtre mon super projet. Magnifique. Magnifique. Déjà là, euh, bravo, vous avez. Vous êtes déjà allé très très loin. <laughs> Euh, et puis ensuite on va quand même faire quelque chose d'un tout petit peu plus d'un tout petit peu plus évolué que juste l'écran noir, on va essayer d'afficher une image. On va pas encore lancer de jeu, faire de map, quoi que ce soit dans cet épisode, mais ça ça sera pour le prochain. Alors, j'avais préparé une petite image. Voilà, qu'est-ce que vous en dites On va afficher ça dans notre écran. Challenge Accepted, ça veut dire que si ça vous intéresse de faire un jeu avec Solarus... Vous acceptez le challenge. Oups. Donc euh, je prends mon fichier challengeaccepted.png et je vais le mettre dans mon répertoire data, mais pas n'importe où, parce que il y a une organisation très précise. Les images elles doivent être dans un répertoire qui s'appelle Sprites, que ce soit des images fixes ou des images animées. Après, vous pouvez faire des sous-répertoires dans Sprites pour vous organiser. Mais pour l'instant, on va juste le mettre là directement. Voilà. On a un fichier challengeaccepted.png. Et puis, pour l'afficher, eh ben, on va faire de la programmation en l'UA. Parce que le but de ce, de, de, de Solarus, depuis le départ, c'est de permettre aux créateurs de jeux de programmer, avec un vrai langage de programmation, un langage de script, leur jeu. Euh, si vous, vous préférez les, les, les éditeurs de jeux où on fait pas de programmation, où toute la programmation est cachée derrière des, derrière des interfaces graphiques, comme RPG Maker ou euh, Game Creator, Multimedia Fusion. Euh, bah, je vous conseille euh, d'utiliser cela si vous avez pas envie de faire de programmation. Alors, euh, où en étais-je Oui, j'ai mis mon image dans sprites. Ensuite, on va éditer le script principal, c'est main.lua de notre projet. Je l'ouvre. Il contient déjà des choses. Il contient. Alors, alors, je vais supposer que vous savez, vous connaissez pas forcément le Lua, bien sûr, parce que c'est pas le langage de programmation que tout le monde apprend en premier. Euh, mais vous, je vais supposer quand même que vous savez ce que c'est qu'une variable, qu'une fonction. Si vous savez pas, je vous recommande de, de suivre, d'aller voir un, un tutoriel sur le site du zéro, par exemple. Même si c'est un autre langage que Lua, c'est ça vous donnera des notions générales de programmation. Alors euh, ici, on a deux deux fonctions d'exemple qui ont été créées euh, quand on a créé la quête. Euh, c'est des fonctions qui ont une particularité, c'est que vous vous écrivez les fonctions, c'est de la unstarted started et unfinished mais c'est Solarus, c'est le moteur qui les appelle. Donc euh, celle-ci, elle est appelée quand un started quand le jeu démarre et et celle-ci quand, quand on ferme la fenêtre. Et nous, on va en faire une nouvelle qui s'appelle... Alors, il faut mettre deux points ici, par contre. OnDraw. C'est un, un nom prédéfini, OnDraw. Si vous définissez cette fonction-là dans sol.main, comme je suis en train de le faire, alors automatiquement... Solarus va, va la, appeler votre fonction onDraw à chaque fois à chaque réaffichage de la fenêtre. Euh, screen. Il va appeler votre fonction et il va lui donner en paramètre euh, l'écran. Et nous sur l'écran on va dessiner notre image. Alors d'abord il faut quand même euh, récupérer l'image. Donc on va stocker notre image dans une petite variable. Pour déclarer une variable, il faut utiliser le mot-clé local. Sinon, ça va la déclarer comme variable globale, et ça, c'est pas une très bonne pratique, sauf si, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Alors, local euh, challenge accepted img. Moi, j'aime bien les noms de variables un peu longs, comme ça, c'est clair au moins. Parce que quand vous faites de la programmation, vous passez 90% de temps à lire du code et 10% à l'écrire, ou même pas 10%. Donc, il vaut mieux que ce soit lisible, quitte à que ça prenne un tout petit peu plus de temps à écrire. Et c'est pour la même raison qu'il faut mettre plein de commentaires. <laughs> euh, donc, challenge accepted.png. Voilà. Donc, euh, vous avez vu, il y a ce sol qui apparaît plusieurs fois, ça veut dire Solarus. Sol, c'est une table Lua qui contient. Eh ben. Toute l'interface de communication, euh, toutes les fonctions euh, qui concernent aussi bien euh, les, les sprites, les images, euh, le jeu, les maps, et les ennemis, tout. Et alors, euh, nous on appelle la fonction euh, create du module sol.surface. Et comme son nom l'indique, elle crée une image. Et en paramètre, vous lui donnez le nom d'un fichier. C'est une des options possibles. Je vais pas vous faire toute la documentation oralement. Vous irez voir sur la, la documentation officielle. Euh, voilà. Donc euh, au chargement du, du jeu, c'est avant même le on starting en fait, il va il va créer l'image là. Et puis nous, on va afficher l'image à chaque réaffichage du, de la fenêtre. Et donc rien de plus simple. Challenge. Oups Challenge. Accepted. Img de point draw et puis vous dites où vous voulez l'afficher il faut l'afficher sur l'écran ici que j'ai appelé screen c'est en fait le premier paramètre de cette fonction on draw. encore une fois je vous rappelle c'est une fonction que Solarus appelle automatiquement pour vous celle-ci c'est celle, -ci. celle -ci que vous écrivez par contre celle-là c'est une fonction qui existe sur euh, toutes les variables de type euh, surface évidemment une surface, c'est une image, et sa principale utilité c'est d'être dessiné sur une autre image, en l'occurrence l'écran. J'enregistre, et bah, j'espère que je ne me suis pas trompé, on va essayer tout de suite. Ouais, ça marche! Magnifique! Alors, bien sûr, c'est pas centré, puisqu'on n'a pas précisé de coordonnées, alors par défaut, il l'a mis en 0,0. Le x égale 0, y égale 0 c'est le coin haut gauche. Comme toujours en informatique. Euh, alors juste pour s'amuser, on, va, on va, pour vous montrer un peu la flexibilité du truc, vous pouvez rajouter deux paramètres optionnels qui sont x et y en fait. Donc euh, par exemple, je sais pas, euh, 20 et 10. Tac, j'enregistre. Et voilà. C'est super. Donc, pour créer un jeu, euh, vous allez sans doute commencer à faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, mais au lieu d'afficher une image débile, <laughs> vous allez faire un écran titre, à mon avis. Vous pouvez aussi afficher du texte, mais ça, je vous montrerai dans un autre épisode comment on fait. Euh, et puis après l'écran titre, euh, euh, bah vous démarrerez un jeu, vous démarrerez la partie avec un éventuellement un menu de sélection des sauvegardes. Donc tout ça, ce programme en, en Lua, c'est parfaitement libre, il n'y a pas d'écran titre prédéfini, il n'y a pas d'écran de sauvegarde prédéfini, mais euh, vous pouvez soit le faire vous-même, soit vous inspirer de ce qui existe dans Zelda Solarus euh, DX ou XD. Ou peut-être qu'un jour il y en aura des prédéfinis, mais en tout cas pas dans Solarus 1.0. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je sais plus. Ah si, c'est que le jour où vous ferez votre vos différents écrans l'écran titre l'écran des sauvegardes l'écran des options etc etc on, il vaudra mieux faire plusieurs fichiers lua bien sûr on va pas tout faire dans un seul fichier parce que ça c'est encore une très mauvaise pratique de programmation mais euh, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter pour cet épisode hein. on a déjà fait pas mal de choses on a créé un nouveau projet et on sait affiché une image et je vous ai un petit peu montré comment ça marche dans le prochain épisode on lancera une partie on aura un personnage qui se déplace, et dans une map, tout simplement. Euh, voilà, voilà. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié cette, cette petite introduction. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à, à utiliser Solarus. Euh, voilà, Eh ben il ne me reste plus qu'à vous remercier, et puis on se retrouve bientôt pour la suite de ce tuto. Salut